Bonjour, bienvenue sur l'Interprof et bienvenue au cours d'italien. Le sujet de cette vidéo sera les articles indéfinis et définis, gli articoli indeterminativi et determinativi in italiano. Commençons par les articles indéfinis, articoli indeterminativi. Bambino, albero, un enfant, un arbre, un bambino, un albero. Sforzo, studente, zio, psicologo, un effort, un étudiant, un oncle, un psychologue, uno sforzo, uno studente, uno zio, uno psicologo. Arca, illusione, une arche, une illusion, un'arca, un'illusione. Pizza, sedia, zia, une pizza, une chaise, une tente, una pizza, una sedia, una zia. Un, on l'utilise devant tous les noms masculins qui commencent par consonne ou par voyelle, à l'exception des noms masculins qui commencent par S plus consonne, Z ou bien PS. Dans ce cas-là, on utilise l'article uno. Un plus apostrophe, on l'utilise devant les noms féminins qui commencent par une voyelle. Pour les autres noms féminins qui commencent par consonne, on utilise una, una. Passons aux articles définis, determinativi. Bambino, libro, l'enfant, le livre. Il bambino, il libro. Sforzo, studente, zio, psicologo. L'effort, l'étudiant, l'oncle, le psychologue. Lo, lo sforzo, lo studente, lo zio, lo psicologo. Albero, illusione. L'arbre, l'illusion. L'albero, l'illusione. Pizza, sedia, zia. La pizza, la chaise, la tente. La pizza, la sedia, la zia. Donc, masculin singulier, il, on l'utilise devant tous les noms masculins qui commencent par consonne, sauf les noms qui commencent par S plus consonne, Z, PS. Dans ce cas-là, on utilisera l'article lo. Pour les noms masculins, aussi bien féminins qui commencent par voyelle, on utilise L apostrophe. Par contre, par les seuls noms féminins qui commencent par consonne, on utilise la, la pizza, la sedia, la zia. Passons au pluriel. Les enfants, les livres. I bambini, i libri. Les efforts, les étudiants, les oncles, les psychologues. Gli sforzi, gli studenti, gli zii, gli psicologi. Les arbres, les hommes, gli alberi, gli uomini. Les pizzas, les chaises, les tentes, le pizze, le sedie, le zie. Faisons le point. Partons de libro albero. Come articolo indeterminativo, un livre, un arbre, un libro, un albero. Studente, étudiant, je dis uno studente. Illusion. Féminin singulier commence par voyelle, je dis un'illusione con apostrofo. Pizza, una pizza. Passons aux articles définis. Le bouquin, il libro. L'arbre, l'albero. L'étudiant, lo studente. L'illusion, l'illusione. La pizza, la pizza. Pour le pluriel, il libro devient i libri, l'albero, gli alberi, lo, gli studenti, l'illusione, le illusioni, la pizza devient le pizze. Donc pour résumer, au masculin, il devient i, et l'apostrophe masculin devient gli au pluriel, aussi comme lo. Par contre au féminin, et l'apostrophe la deviennent tous les deux les. Le illusioni, le pizze. Passons maintenant à un petit exercice. À vous de mettre l'article qu'il faut. Le tiramisu, il tiramisu. Les enfants, i bambini. L'espace, lo spazio. La haine, l'odio. L'odio, c'est masculin en italien. Les bouquins, i libri. Les gamines, les bambine. La sortie, l'uscita.
Le sac à dos. Lo zaino. Les stades. Gli stadi. Les sœurs. Le sorelle. Les trains. I treni. L'ami. L'amico. Les amis. Gli amici. La nuit. La notte. Les mains. Les mani. Voilà, voilà. Donc ce petit cours sur les articles se termine là. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon vidéo d'italien. Ciao, ciao!